Kamehameha! Allez, c'est parti! Bonjour à toutes, un peu de délicatesse, et bonjour à tous, oui messieurs, vous après. Là en bas, ce sont les hommes de Freezer! Moi, je suis Marc Lesser, donc je suis comédien. Dans Dragon Ball, je double Trunks du futur, Sangohan et Broly. À toi de jouer, Broly! Attaque! Je m'appelle Antoine Nouel et je suis le directeur artistique de Dragon Ball. Voilà, Z, pas Z. Maintenant, ça fait 15 ou 18 ans que je fais Dragon Ball. Tout porte à croire qu'il pourrait même être le Super Saiyan dont parle la légende. Mon rôle, c'est de faire en sorte que, quand le spectateur entend le français, que ça soit naturel, que ça sorte des yeux. Que toutes les phrases qui sont dites à l'écran sortent du regard et pas de la bouche. Je m'en fous de la bouche. Moi, c'est l'intention, elle est dans les yeux. Et que ça soit naturel. Je veux que ça soit le plus parlé possible. C'est pas loin, mais il y a moins de césure après centimètre. C'est complètement enchaîné. Moi, je sais! Vous souhaitez grandir de quelques centimètres, non? Voilà. J'aime pas beaucoup le doublage clinique, le doublage parfait, le doublage où on entend toutes les lettres. Moi, j'ai jamais dit « Allez où votre voiture ?» Moi, je dis « Allez où votre voiture ?» Je sais que c'est une faute, je sais qu'il manque un R, mais je m'en fous. On parle comme ça dans la vie. Voilà, je suis pas professeur de français. Il faut vraiment que vous soyez ensemble, donc pas c'est trop, ouais. Que deux, hein. Je vais en faire qu'une bouchée de Broly! Déjà, je change ma voix déjà sur Son Goku, puisqu'il y a 30 ans, j'avais une voix plus légère, hein, comme je fume. Donc, j'essaie de le reprendre comme ça. J'ai une voix un peu fatiguée, parce que sans Broly, là, on sort à peine du studio, et ça fait deux jours, là, pour vous faire plaisir, mais je vous dis pas comme ça hurle. Alors, ceux qui aiment les castagnes, il y a du combat, les amis. Il faut 8 jours, 9 jours. On fait du 250 lignes par jour, voire 300, enfin moins. Oui, c'est ça, 200. C'est enfantin pour moi. En plus, le japonais est tellement exceptionnel que... Voilà, ce sont des très, très, très grands doubleurs, les japonais. Shinpei sunna! Omei ni wa mada kaioken wa tsukawanai! Kaioken! Donc ça donne aussi, c'est pour ça que je pense que c'est aussi apprécié le doublage français, c'est qu'on a une base extraordinaire. Pour la première fois, grâce au Club Dorothée, vous allez pouvoir un super dessin animé que personnellement j'adore, et toc, je l'ai dit, oui, encore, c'est quoi Dragon Ball. Dragon c'est Ball c'est adorable, oh, ouais. J'espère que vous allez aimer. Beaucoup de fans de l'AVF ont découvert au Club Dorothée. Quand on a commencé, c'était le début des cassettes VHS. C'est quand le DVD est apparu qu'ils ont eu les deux versions, pas avant. Commences-tu? Tu es ignoble! Le public qui râle, si tu veux, maintenant, est la deuxième génération. C'est-à-dire ceux qui ont la possibilité, grâce à la technologie, de pouvoir écouter et comparer. Je crois que ça a toujours un peu existé. Il y avait toujours, même sans Internet et tout ça, il y a 20 ans, 30 ans, des gens qui disaient « Oh non, moi je vais que au cinéma voir la VO. » Ok, très bien, si tu comprends suffisamment. Sauf qu'il y a un peu de snobisme là-dessus pour moi. Moi, je suis à moitié américain. Honnêtement, j'ai une bonne culture américaine. Je comprends très, très bien l'anglais. Mon père parlait que américain. Voilà. Quand il y a eu Friends, moi au départ je me suis dit mais ça marchera jamais, c'est très new-yorkais, etc. C'était diffusé en multilingue sur Canal Jimmy et c'est vrai qu'il y avait des gens qui le regardaient en anglais. Mais n'empêche que le gros succès est venu quand ça a été diffusé, je crois sur France 2, Antenne 2 à l'époque, en français. Et là ça a vraiment explosé. Eh bien j'avoue que j'ai bien réfléchi et je crois que la meilleure manière en fait... C'est de rien dire. Je mets quand même au défi quelqu'un, t'as beau bien parler anglais, moi-même, j'habitais pas à New York au moment où ça a été tourné. Il y a des trucs qui t'échappent obligatoirement. Et le doublage doit venir compenser ça. Donc, il suffit pas de juste bien parler. Il faut aussi, encore une fois, avoir la culture, savoir ce qui se passe quand c'est une série actuelle. Il faut aussi avoir ce qui se passe en ce moment dans le pays pour comprendre certaines blagues. Je te préviens, je n'ai pas du tout l'intention de me retenir. C'est exactement ce que j'attends de toi. La difficulté que j'ai moi dans Dragon Ball, c'est que je me suis retrouvé avec des rôles qui finalement en âge sont assez proches et ne sont pas transformés. Une petite voix, un truc. Donc je suis obligé de faire très attention à leur personnalité du coup. Trunks, il est plus posé, il va être plus guerrier, plus posé, etc. Pas besoin de retenir tes coups, papa. Son Gohan, il a le côté... Sois gentil, petit frère, va jouer un petit peu plus loin. Là, je viens de retrouver Broly, qui était un personnage pas du tout développé, que j'avais fait que dans un film, et qui d'ailleurs est assez différent. Moi, je veux pas spoiler, là, on sait jamais, mais il est différent. Mais finalement, en âge, il est...
aussi assez proche en tonalité, quoi. La puissance du Super Saiyan divin n'arrête pas d'augmenter. Je suis encore très loin. Très loin. J'ai envie de combattre. À la limite, pour moi, n'est pas le plus intéressant ni le plus touchant. C'est le chez lui, le plus touchant, je trouve, c'est sa naïveté. Et que quelque part, tu t'aperçois que Son Goku, c'est un brave mec. C'est pas un méchant. Au contraire, il veut faire le bien. Apparemment, il fait « Oh, merde, je suis encore gouré, quoi. » Il est maladroit, tu vois, mais il est pas méchant. Et quand il se bat, je suis pas contre pour la castagne et tout ça, tu vois, je trouve que c'est une philosophie à deux balles. En tout cas, ça part, même si c'est en se battant, mais d'un bon sentiment. C'est à chaque fois pour sauver la Terre ou les trucs. Mais il aime ça. Je commence à avoir les points qui me démangent. Ce qu'il y a plus au monde, d'ailleurs, parce que tous les mondes, même se mesuraient dans la cour de l'école. Voilà, pour ça, ils ont l'impression d'avoir quatre poils de plus au menton. Et tu vois, t'as envie de leur dire, les mecs, la vie, c'est pas ça. Être fort, c'est là que ça se passe. C'est pas, tu peux faire du building, avoir des gros bras, et rester un tout petit con toute ta vie. Dragon Ball Super, Broly, au cinéma le 13 mars. Ah, qu'on me reconnaît ? Oui, moi, ça m'arrive justement à cause de certains trucs comme les rires de Joey. C'est quand je fais... T'as dit deuxièmement. En général, les gens font... C'est marrant, j'ai déjà entendu ça quelque part.